Je m'appelle Martin, j'ai 22 ans. J'ai été en BTS à Saint-Michel, donc en SEO SLAM, de la promo 2019. Donc j'ai obtenu mon BTS cette année-là. Aujourd'hui, je suis en dernière année d'alternance sur une école lyonnaise. Et j'ai signé mon CDI récemment, donc la suite, ça passe bien. Alors j'ai choisi le BTS de Saint-Michel parce que je voulais faire de l'informatique. Mais je ne savais pas précisément quoi. Je ne savais pas si je voulais faire plus du développement, du réseau, de l'administration. Donc j'ai voulu faire un BTS qui était assez global pour tout découvrir et mieux comprendre ensuite pour me spécialiser. Et puis Saint-Michel, parce que c'était à Annecy, proche de chez moi, et parce que c'était le seul établissement qui m'a fait confiance, étant donné que j'étais en bac ES, économique à l'époque. Donc pas très avantagé au niveau de l'informatique, mais voilà, ils m'ont fait confiance. C'est pour ça que j'ai été là. Ça s'est bien passé. J'ai eu mon BTS à 11 ou 12. Mais les projets étaient intéressants, les cours aussi, j'ai beaucoup appris. Et ça me sert toujours maintenant. Donc ouais, non, ça s'est bien passé et c'est que du bon. Pour moi, l'avantage qu'on va avoir ici, ça va être quand même le suivi. On est dans un établissement où il y a un vrai suivi de la part des professeurs et des encadrants, qu'il n'y a pas à d'autres endroits. En plus de ça, on va quand même voir des technologies récentes et utilisées en entreprise. Donc ça, c'est un bon point aussi. Ouais, je me souviens d'un prof de développement qui s'appelait Monsieur Clairvoux, qui nous a présenté une technologie, c'est Symfony. Et le SQL aussi. Je me souviens être sorti du cours en disant plus jamais je ferai de base de données et plus jamais je ferai de Symfony. Et aujourd'hui, je suis lead développeur d'une équipe de 5 développeurs. On fait du Symfony. C'est moi qui fais la base de données parce que je fais aussi toute la base des softs à chaque fois. Donc au final, c'est mon quotidien et ça se passe super bien. Et c'est vrai que j'avais démarré avec lui et c'est grâce à lui que je suis parti là-dedans.